Je m'appelle Anne-Claire Lebert, j'ai 39 ans. Je vais prendre le départ de la Mini Transat 2021. Parce que j'avais vraiment très envie de renouer avec la compétition après 15 ans d'olympisme et 6 ans d'arrêt de la compétition. Un peu le béaba de la course au large sur les bateaux les plus petits. L'objectif, c'est d'abord de finir, parce qu'avant de faire n'importe quel objectif, il faut déjà arriver de l'autre côté. Donc ça, ce sera déjà une réussite. Et puis, si je peux monter sur le podium, voire mieux, ce sera fantastique. Vraiment, les grands espaces et puis le fait de faire corps avec son bateau en mer et de se déplacer sur l'océan à la voile, je trouve que c'est quand même des moments fantastiques. Et ce que j'aime énormément aussi, c'est la compétition. J'espère qu'il est à venir. Je dirais qu'il faut pas avoir de cerveau. Non, je plaisante. Bah déjà, il faut bien préparer mentalement et le matériel. Et j'imagine qu'il faut savoir être là au bon moment avec le bon rythme. Mes enfants. Si je dois jeter une bouteille à la mer, c'est que je suis pas bien en forme, donc je sais pas, un Mayday peut-être. Déjà, c'est Rendez-vous Équipe, c'est une belle rencontre avec toute l'équipe de Rendez-vous Équilibre. Et c'est une plateforme de prise de rendez-vous en ligne pour les professionnels du bien-être. Donc ça permet aux gens de prendre rendez-vous avec des professionnels certifiés, naturopathie, psychologue, coaching. C'est la rencontre de professionnels engagés dans ce qu'ils font, comme ce qu'on peut faire sur un bateau. Et c'est vraiment le. Je trouve que l'équilibre pour un bateau, c'est vraiment adapté parce que c'est vraiment être en adéquation avec soi-même et avec ce qu'on fait. S'octroyer aussi des moments pour soi. Et je crois que c'est exactement ce que l'on fait en faisant ce genre de projet. C'est des projets pour soi, pour s'équilibrer entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Mais je pense que là-dessus, on est quand même justement, bien en adéquation avec Rendez-vous Équipe. Que le meilleur gagne.